sing a song of Christmas, dancing away. It's a wonderful time. Alors coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est, je pense, la vidéo que vous attendez le plus. Ce sont mes cadeaux de Noël. Oui, vous avez vu ces derniers temps, tout le monde a montré ses cadeaux de Noël. Donc je me suis dit que c'était à mon tour. J'ai été pas mal gâtée, ça c'est le cas de le dire. Et je vais vous faire par catégorie. Donc voilà, c'est parti. Avant, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Moi oui, c'était un peu fatigant, mais c'était très bien. Donc on va commencer tout de suite par de la... beauté, soin, on va dire comme ça, beauté et soin. Donc tout d'abord, cette petite brosse, voilà, elle est super bien, elle vient de chez Lidl, je crois, voilà. J'ai déjà quelques-unes de la collection là, elles sont vraiment très bien, donc ça fait toujours plaisir. C'est de la marque Paris Hilton, The Secrets of Paris, voilà. Donc elle est plutôt pas mal, celle-ci. Ensuite, j'ai eu de chez Nocibé. La vidéo risque d'être assez longue. Hein. Un petit parfum, le Amour Amour de Cacharel. Vous savez que je l'aime beaucoup, que c'est un de mes préférés. Je crois que je vous en avais parlé dans ma vidéo, mes parfums. Je vous remettrai dans le petit i ici si vous voulez aller le voir. Et j'ai également eu cette petite poudre. Alors je suis un peu déçue, je vous l'avais mis dans ma wishlist, je vous remets le petit i ici. Je suis un peu déçue de la taille du flacon. Ah, vous voyez, c'est pas vraiment super super grand. Par contre il est vraiment très joli, j'adore ce petit le petit poète là pour faire pour mettre un peu partout. C'est de la poudre libre pailletée, donc à tester pour le nouvel an. Donc ça c'était plutôt sympa. J'ai eu dedans avec un échantillon j'adore de chez Dior, voilà. Et un petit concentré de lait de chez L'Occitane à l'amande, voilà. Donc ça c'est plutôt sympa, donc je testerai. Et le parfum, je vais le garder en réserve quand j'aurai fini l'autre. Toujours dans les soins, j'ai eu une petite carte cadeau pour faire un soin du visage d'une heure de temps. Donc ça va être plutôt cool. Je pense que j'irai quand j'aurai vraiment besoin de me faire relaxer. Ce qui ne saurait tarder, je pense. Ensuite, j'ai eu un autre coffret qui vient de chez Zen Essence. Donc c'est un institut de beauté pas très loin de chez moi. C'est de la marque L'Atelier des Délices. C'est bio. Donc ne serait-ce que la boîte, elle est super jolie. Voilà. Et dedans, il y a, alors, vous avez une crème de jour, un contour des yeux, un masque et un baume à lèvres. Et je trouve que ça sent l'ananas. Donc voilà, c'est vraiment super chouette. Et vous avez dedans le petit fascicule qui vous explique tous les produits et les conseils d'utilisation. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est du bio, d'origine naturelle. 50% sont issus de l'agriculture biologique. Ouais, c'est ça. Et dedans, vous avez à peu près la composition, voilà. Donc, c'est plutôt sympathique. J'aime beaucoup et la boîte est super jolie. Donc, je pense que, voilà, c'est L'Atelier des Délices. Je vous en ferai une revue un peu plus tard dans l'année, si vous voulez. Et pour finir, il y a encore deux choses. J'ai eu cette petite brume végétale détox hydratant à la pomme bio. Voilà, toujours de L'Atelier des Délices. C'est une eau micellaire. Elle sent super bon. Ça sent super super bon. Et elle est super... Enfin, j'aime bien ce packaging de pompe à pulvériser comme ça. On est quitte d'en utiliser trop sur un coton et voilà. C'est juste super top. Et dernier coffret, donc celui-ci vous l'aviez vu mais en grand format dans ma wishlist, je vous remets le petit i ici, c'est le coffret macaron framboise de Les Délices, c'est Nocibé Les Délices, voilà, macaron framboise, ma boîte à merveille, donc la boîte est super chou. Et dedans vous avez donc un lait pour le corps, un gommage pour le corps, un bain moussant velours, un gel douche onctueux et un baume à lèvres soyeux. Donc c'est comme ça à l'intérieur. Donc je le trouve plutôt sympa. Et je pense que ça c'est des boîtes que je vais garder pour réutiliser, pour ranger un petit peu dans ma coiffeuse. Ensuite...
passer au cocooning. Ah oui, parce que j'ai eu 2-3 trucs pour cocooning. On va dire ça comme ça. J'ai d'abord eu ce gigantesque plaid. Voilà. Il est en polyester, doux et souple, décoratif, élégant. Il fait 150 par 200, donc vous avez un côté violet comme ça, en tout doux. Et vous avez un côté en moumoute blanche. Ouais. Il a l'air super top. Je vais pas arrêter de dire super top. Il a l'air cool. Et j'en ai un deuxième. C'est, il faut que j'arrive à l'attraper, celui-ci. Donc celui-ci, c'est un dessus de lit en 180 par 230. Donc celui-là, il est énorme. Il est en gris chiné, on va dire. Il est comme ceci. Il est juste super grand. Et voilà, pareil, à l'intérieur, vous avez la moumoute blanche, à l'extérieur, le piloupi. Donc, ceci, ça va être plutôt cool. Hop. Et une dernière chose, cocooning. Et celle-ci, c'est pas des moindres, je l'adore. Elle est super belle. C'est cette petite tasse qui vient de chez Disney Store, je crois. Il y a plusieurs collections, vous avez Marie des Aristochats, vous avez le Roi Lion et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Donc là d'un côté vous avez Pampan en dessin et de l'autre côté vous avez Bambi et à l'intérieur elle est comme ça. Et elle est immense, elle est immense. Ça, ça va être super chouette. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Elle est super chouette. C'est Pampan quoi. Comme vous savez que j'adore Pampan. À la mettre dans son carton. Et dernière petite chose, sachant qu'on est dans Disney Store, j'ai eu cette petite mini. Voilà. Normalement, là, on peut, dans celui-là, là, on peut marquer le prénom. Mais voilà, cette petite mini en tenue de Noël, elle est super chou. Et ça a vraiment été une surprise pour moi, donc j'étais plutôt contente. Voilà. Petite mini. Ensuite. Passer aux livres. Donc j'ai eu quelques livres, enfin quelques petits peu de livres quoi. J'ai eu tout d'abord celui-ci, donc le tome 1 de Pretty Little Liars. Donc il a l'air plutôt bien, ça a l'air d'être différent de la série, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai très hâte de le commencer et on verra bien ce que ça donne, mais il a l'air chouette. Il fait, je vais vous dire combien de pages il fait à peu près. Si j'arrive à voir. Il fait 860. Il fait 860 pages à peu près. Donc ça va être une bonne lecture. Je vous en ferai une revue dès que je l'aurai lu. Et ensuite, j'ai eu donc cette petite collection de 4 livres. C'est la Minute Beauté de Face to Face. Face to Face de Make-up, voilà, aux éditions Hachette. Donc j'ai eu celui-ci qui est la bouche. J'ai eu celui-ci, c'est les yeux. J'ai eu celui-ci, c'est les sourcils. Et j'ai eu celui-ci, c'est le teint. Donc il est plutôt bien expliqué, j'ai trouvé. Vous avez des petits tutos, voilà, sur comment appliquer le fond de teint, etc. etc. Ils étaient au prix de 5 euros, donc voilà. Et j'ai eu celui-ci également, c'est celui de chez Bobby, c'est celui de Bobby Brown, pardon. Leçon de maquillage pour toute, de la débutante à la pro, aux éditions Marabout, indispensable, tous les secrets de beauté, Bobby Brown est l'idole américaine du maquillage. Voilà. Donc celui-ci était à 15,90 et voilà, vous avez des genres de petits tutos comme ceci. Pareil, je vous en ferai des revues de ces petits livres-là si ça vous intéresse. Et j'ai aussi eu le livre, c'est Make-up sur mesure, 75 astuces de pro. Conseils beauté, pas à pas illustré, contouring, yeux, sourcils, lèvres, soins de la peau. Les mini carnets de style aux éditions Marabout. Donc voilà, vous avez, tout est bien expliqué. Pareil, celui-ci. Et celui-ci est à 7,90€. Donc ce sont des petits livres beauté que j'aime beaucoup, voilà. Et ensuite, c'était tout en livre. J'ai eu également ce petit carnet qui vient de chez Maison du Monde, je pense, qui est vraiment très très beau.
C'est marqué Happy Times, the flowers and birds of the forest are our friends. Voilà. Il est super chouette avec le. Vous avez des petits reflets en argent. Je sais pas si vous verrez. Il est vraiment chou. Et celui-ci, ce sera, je pense, mon carnet de cette année. Ensuite, une fois qu'on est passé à la catégorie livres, on va passer à la catégorie. DVD. Donc j'ai eu 2-3 séries. Donc j'ai tout d'abord eu la saison 3 de Profilage comme je l'avais demandé. Donc ça va être plutôt sympa. J'aime énormément cette série. J'ai eu la saison 7 de Pretty Little Liars. Donc comme vous voyez, j'ai déjà commencé à la regarder. Et pas mal. Et j'ai eu la saison 12 et 13 de Une famille formidable, donc que j'aime beaucoup également. J'ai le coffret jusqu'à la saison 11, donc voilà. Il me manquait ces deux-là, donc j'ai eu ces deux-là. Et ensuite, j'ai eu deux films que ça faisait un moment que je voulais voir, Alibi.com. Et Il a déjà tes yeux, celui-ci, j'avais vu des extraits, je l'avais trouvé très marrant, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, dans la catégorie... décoration, on va dire, j'ai eu ce petit tableau magnétique, je peux même pas vous le montrer en entier, voilà, de chez Maison du Monde. Donc vous avez le stylo, les petits aimants, là vous avez les jours de la semaine en anglais, il est couleur bois, bois et blanc, et il est plutôt pas mal. Et j'ai eu ce petit range courrier que je vais me servir pour ranger mes palettes en doré de chez Maison du Monde également. Je vous l'avais montré dans ma wishlist, je crois. Donc voilà, il est vraiment très beau. On a bientôt fini. Ensuite, j'ai eu ce petit sac. Donc je l'ai encore pas déballé. De chez Bonprix. Donc voilà, il est vraiment très beau. À l'intérieur, il est super grand. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a l'air pratique en plus. Voilà. Un petit sac. On n'a jamais assez de sacs. Et ensuite, il reste deux choses de cuisine. Donc j'ai eu... du kit, le meilleur pâtissier, c'est kit poche silicone et neuf douilles. Donc celui-ci qui est vraiment sympa. Ça va pouvoir me permettre d'apprendre à me servir d'une poche à douille pour pouvoir apprendre. Et j'ai eu ce petit coffret de, pour faire des mug cakes. Vous savez que j'aime beaucoup les mug cakes. Je vous avais fait d'ailleurs une recette de mug cake. Je vous mets le lien ici. Et voilà, j'ai eu ce petit coffret qui est vraiment super chouette. Vous avez les tasses et un petit livret. Et voilà, je n'oublie rien. Non, j'oublie rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai été super gâtée. Et j'espère que vous aussi vous avez été gâtée. Dites-moi en commentaire ce que vous avez eu comme, comme cadeau. Voilà. Je suis désolée, j'étais un peu stressée, mais c'est parce que je suis pas toute seule aujourd'hui et que ça me stresse un peu de tourner quand il y a quelqu'un dans la maison qui peut m'écouter. Enfin voilà, c'est. Je suis un peu stressée, mais c'est pas grave, ça va aller. Et voilà, donc j'espère que ça va. Cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir à vous la tourner. C'était une vidéo que j'attendais avec impatience de vous faire. Parce que je vous ai fait ma wishlist et tout. Et je me suis dit que c'était sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.